Oh, ma petite poulette, elle ne réagit plus. Mais que lui est-il arrivé? L'aurait-on envoûté? En tout cas, il faut que je la soigne. Ça y est, je le tiens, mon diagnostic. Je sais ce qu'elle a. Elle a été mordue par la bête. Dans n'importe quel labo, je saurais fabriquer l'antidote. Pour que ça marche, il faut qu'elle absorbe l'antidote d'elle-même. Or, elle ne réagit pas. Oh, où suis-je? Je me sens si faible. Que s'est-il passé? Alors, vous allez mieux? C'est moi, Woodruff, que vous avez eu au Toboson. Vous vous souvenez? C'est vous qui m'avez invité. Je vous ai peut-être fait confiance trop vite. Qui me dit que vous êtes de mon côté? Avec ce qui vient de m'arriver, il faut que je me méfie. Striff! Alors, heureuse? Ah, cher Woodruff, pardonnez-moi de vous avoir repoussé tout à l'heure, mais j'étais encore sous l'effet de cet engourdissement étrange. Miss
Poulette, aidez-moi à parvenir jusqu'au déconnétable. Je pense qu'il est responsable de ce qui vous est arrivé. Quant à moi, j'ai des raisons personnelles de lui en vouloir. Il retient prisonnier mon père adoptif et il a éliminé sans pitié mon meilleur ami. Mon nounours, quoi. Pauvre Roudreuf. En effet, c'est très triste. Je peux vous aider, car ma fenêtre donne sur la tour où le déconnétable s'est depuis peu enfermé avec le président. Aucun autre accès n'est plus possible pour rentrer chez lui. Vous qui l'avez approché, dites-moi un peu plus sur ce triste individu. J'étais son ami avant qu'il ne devienne fou. C'était un homme charmant. Un jour, il est venu avec un récipient cylindrique hermétiquement clos. Il disait qu'il s'agissait d'une relique bouzouk d'une grande rareté et voulait absolument l'ouvrir, mais à l'abri des regards indiscrets. Et qu'est-il arrivé ensuite? Quand je l'ai revu, il avait une lueur mauvaise dans l'œil qui m'a terrorisée. Après, lui et le président, tous les deux enfermés dans la tour, n'ont cessé de multiplier les problèmes qui minent peu à peu notre ville. C'est à peu près à ce moment que la bête a commencé à faire des victimes. Quand je vous ai évoqué ces problèmes l'autre jour au téléphone, c'est elle qui m'a agressée. Je ne comprends pas pourquoi elle m'a laissée en vie. Et le schnibble? Comment le déconnétable a-t-il réagi à son sujet? Eh bien, pour mieux canaliser ceux qui étaient sensibles à son influence, il a créé une secte, les adorateurs du schnibble. Vous savez, il est passé maître dans l'art de manipuler les esprits. Et le schnibble? Comment le déconnétable? Quelle petite plante ridicule! Ce doit bien être la seule qui existe officiellement dans cette ville. Seul le déconnétable a pu autoriser ce privilège à la Poulette. Cette petite faiblesse le perdra, je le sens! C'est bon! Et comment peut-on participer à la gloire du schnibble? Je suis prêt à adhérer. Prononce le mantra sacré, et les portes de la connaissance s'ouvriront à toi. Écoute bien. Schnibble. Et n'oublie pas, seule la pratique régulière du mantra sacré te permettra d'accéder au plus haut sommet spirituel. Normal.
Schnibbel. 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 Maintenant que nous avons tous récité le mantra, recueillons-nous. Attendons le signe du Schnibbel. Il nous révélera qui est digne d'être l'initié aujourd'hui. Alors, nous poursuivrons la cérémonie. Le Schnibbel assoiffé. C'est toi qui es désigné aujourd'hui. Rejoins tes frères dans la chambre initiatique. Vous êtes sûr que je dois y aller? Maintenant que j'ai rejoint le Schnibbel, j'ai trouvé la lumière. Et j'ai le bulbe un peu ramolli, mais on s'éclate bien. Je suis un as du tambourin. Oh là là! Le computer n'est pas branché. Il faut le code sacré pour consulter le computer. Grand prêtre, le computer me demande le code sacré. Ah, si tu veux le code sacré, il faut faire un don au Schnibbel. Tu sais où? Grand prêtre, j'ai fait toutes mes obligations auprès du Schnibbel. Suis-je digne d'obtenir le code sacré maintenant? Oui, mon fils. Le code sacré est... le code sacré. Ah.
pour obtenir le contact avec la connaissance, il faut que je donne une contribution au denier du culte. J'ai enfin obtenu la communication avec la connaissance. Aujourd'hui, le cycle de concentration est grand gong, petit gong, grand gong, petit gong, petit gong. Ce sont ses yeux qui hypnotisent les fidèles et les retiennent prisonniers. Ah, il doit y avoir un mécanisme astucieux à l'intérieur qui n'a rien de magique. Alors, déconnétable de pacotille, on se rencontre enfin. Tu vas payer pour l'assassinat de mon nounours. Je vais te réduire en poussière de pixels que j'irai disperser moi-même aux quatre coins de l'univers. Salut, petit scarabée. J'arrive à point nommé, dirait-on. Le déconnétable est protégé par un champ de haine que tu ne peux franchir dans l'état où tu es. Rends tes pensées légères. Il faut que ton esprit flotte. Qui es-tu, Minus, pour oser interrompre ma concentration?
Comment es-tu entré? Je vais te faire regretter d'être né. Et toi, usurpateur? Je suis le fils d'Azimut, que tu as enlevé, car il te faisait peur, n'est-ce pas? Avoue-le. Tiens, tiens, je ne savais pas qu'il avait un fils Azimut. Oui, je l'ai réduit au silence, car il commençait à m'irriter avec son histoire de Schnibble. Une utopie, un conte, une imposture, ce Schnibble. C'est qu'il aurait bien pu semer le désordre dans la ville, ce vieux fou, avec ses belles hivernes. Notre jeune Woodruff n'obtint pas la renommée escomptée. Obligé de s'affubler d'un nez en morphoplastoque, il devint la risée de tous. Oh là là! Ma haine envers toi, déconnétable, car tu n'es pas responsable. Tu es sous l'emprise du mal qui t'a envahi par erreur. Mais il faudra bien que tu te soumettes. Rends-toi pendant qu'il est encore temps. Économise ta salive, jeune présomptueux. Avec quelle arme crois-tu pouvoir me combattre? Regarde autour de toi. Ici, c'est une forteresse imprenable et tu t'es jeté dans la gueule du loup. Il est des armes plus puissantes encore que celles dont tu pourras jamais disposer, déconnétable. Tu m'assommes avec tes discours. Tu parles comme ton père. Je m'en vais te réduire au silence. Alors, déconnétable, manque de munitions? Et toi, tu ne manques pas de culot, petit avorton. Je vais te faire la peau. L'appareil est capable de vieillir et rajeunir. Je tente le coup. À nous deux, bête immonde! Maintenant que tu montres ton vrai visage, tu peux trembler, car le Schnibble est avec moi! Si tu crois...
crois m'inquiéter avec cette soi-disant force inventée par Azimuth. Tu te trompes, petit avorton. Tout ce que j'attendais de lui, c'est qu'il fasse rajeunir le corps du déconnétable que j'occupais. C'est pas mal, déconnétable, pour les privilèges. Mais peu importe, tu es jeune, toi. Tu feras parfaitement l'affaire. Méfie-toi du schnibble, la bête. Cette force travaille à ton anéantissement. Méfie-toi, car je suis son instrument. Il semble que Woodruff, notre jeune héros, échoua, car un nouveau déconnétable, encore plus vil que le précédent, pris le pouvoir. Pauvre de nous. Oubliez ma haine envers toi, déconnétable, car tu n'es pas responsable. Tu es sous l'emprise du mal qui t'a envahi par erreur, mais il faudra bien que tu te soumettes. Rends-toi pendant qu'il est encore temps. Économise ta salive, jeune présomptueux. Avec quelle arme crois-tu pouvoir me combattre? Regarde autour de toi, ici, c'est une forteresse imprenable, et tu t'es jeté dans la gueule du loup. Il est des armes plus puissantes encore que celles dont tu pourras jamais disposer, déconnétable. Capable de vieillir et rajeunir. Je tente le coup. C'est verrouillé. Et que comptes-tu faire, petit naïf, maintenant que tu n'as plus de beaux oyolis pour te protéger de moi?
Oh, elle m'hypnotise, l'immonde créature. Elle va bondir. Dame l'aide, je suis fait. Je vois. Le président n'était qu'un homme de paille manié par le déconnétable qui pouvait ainsi, tout à loisir, saigner la ville à blanc. À moi de jouer maintenant. Je m'engage à redresser très vite la situation. Bon, alors pour commencer, je supprimerai les injustices, les impôts abusifs et ce damné pavé numérique. Kazixtoplas. Woodruff, fils spirituel d'Azimuth, décida solennellement d'accomplir le dessein du Schnibble. Il reçut d'une population déjà préparée au changement les responsabilités du pouvoir, en remerciement d'avoir débarrassé la ville du tyran. Woodruff, l'homme qui n'avait pas eu d'enfance, devint un président populaire qui réconcilia les humains et les bousons. Pendant le mandat de ce nouveau dirigeant, la ville devint prospère, s'ouvrit au monde extérieur et la jungle recula. Les premières expéditions à l'extérieur de la région commencèrent à s'établir.